Bonjour les amis. Ah, nous voici ensemble pour 12 minutes 30. Et là, j'ai fait un petit reportage sur la journée de la visite de la côte de Granit Rose et les sept îles. Alors là, nous sommes le matin en direction de Perros-Guirec. C'était la marée basse. Là, on cherchait un peu notre chemin, enfin pas moi, mais le chauffeur. Mais ça s'est rangé pour aller vers Ploumana. Et voilà, nous sommes arrivés à Ploumana et nous allons nous garer sur le grand parking. On est quoi là, nous, hein? Un voilà, joli restaurant là. On a mangé là, je crois. Là, on est au cœur. Le Ploumana. Ouais. Jolie maison. Alors, nous avons fait un petit tour à pied. On est repassé devant le restaurant en question, là. Sympa, hein? Et bien sûr, les rochers. Ils sont pas tellement roses, hein. Enfin, alors nous étions un peu à la bourre et puis ben, la visite a été écourtée. Hein. Donc, j'aurais bien aimé aller me balader en haut, là, parmi les blocs. Mais là, c'était pas possible. Alors voilà, nous avons déjeuné, là, face à la mer, dans un beau restaurant. Là, ben, c'était le départ, c'était la fin. Ah, nous avons profité d'une belle journée, ensoleillée, pas trop, mais bien, sans vent, que demande le peuple. Alors ici, on a été intrigué par deux chiens qui étaient dans cette petite voiturette. Ils sont beaux, hein. Merci. Alors ici, nous découvrons l'aquarium qui est complètement en bordure de mer et puis recouvert avec du granit rose aussi. Et nous voilà arrivés sur la plage de Perros-Guirec pour prendre le bateau pour la balade. Voici l'entrée.
Alors, le centre nautique, bien sûr, c'est bien là. À marée basse, je ne sais pas ce que ça donne, mais la mer doit être moins. Alors notre bateau qui arrive, avec déjà il y avait une tournée le matin. Les vedettes de Perros-Guirec. Et voilà, nous sommes installés. Les câbles. Il n'y a plus qu'à attendre le départ. À sourire, oui, c'est bien. C'est bien. Ah, quelqu'un que je connais. Alors voilà, c'est parti à fond les ballons pour aller voir l'île la plus loin avec des oiseaux de mer. Hein, ça brasse de l'eau quand même. Hein. Ah, un petit bonbon pour ceux qui ont été sages, comme moi. Merci bien. C'est pas facile de reconnaître les gens parce que tout le monde était mélangé sur le bateau. Enfin, on le fait. Alors nous arrivons au fameux rocher et on découvre alors quel oiseau c'est, ça je vais pas au long. Fin de l'été. Des pingouins, des goélands argentés, fous de bassin, macaro moine, oh là là, alors là-dedans, vous faites le choix. Il fera 4 kg, 4,5 kg, il faudra qu'il maigrisse un petit peu. Il apprenne à voler, à se nourrir sur l'eau, parce qu'il va rester pendant très longtemps sur l'eau, et après, par vagues successives, ils vont partir au large de la Mauritanie, en Atlantique, pour apprendre les techniques de pêche et devenir adulte. Il revient. Alors, c'est pas très mélodieux, mais le but c'est qu'ils retrouvent leur partenaire. Les oiseaux marins jouent avec le vent, les ascendances thermiques. C'est tout petit, ça a le ventre blanc, ça a le bec droit. Et les guimauves, ils sont beaucoup aux pingouins, mais ils sont plus chauds que là. On voit sur la gauche, là, on voit, ils sont plus clairs, ils sont moins noirs.
macarons moines qui ne bougent pas là. Il y en a un qui est en train de s'écrouler dans l'eau. Il prend son bain. Ah, c'est tout petit. Il y a à peu près 60 couples. Et ici, nous sommes sur le retour. Ah, puis c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il vient faire là ? Et voilà, nous rentrons sur la terre ferme. Bateau de sauvetage, portion ouverte. À tout moment, cette cale lui permet de sortir pour vous à tout moment de la marée. La marée là, c'est pas mal. En fait, et pour terminer, quelques photos. Au resto. Et bien voilà, ainsi se termine ce film. Merci de l'avoir regardé. Puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Kenavo.